Tifilakayhaiti.com, mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir pour nous tous. Aujourd'hui, c'est mercredi. Moi, content avec nous, Chanel Za, pour continuer pour tes informations, actualités pour nous. Les dossiers insécurité, politique, musique, sport, comme d'habitude, 7 sur 7, 24 sur 24, chaque jour, n'a porté nouvelle actualité pour vous. Faut que nous disions un moment à parler là, mesdames et messieurs, la police haïtienne renforcée, gain pour et PBT 455. Nouveau policier qui gradué là, et ben côté nèg sa pour renforcer unité spécialisée yo pour capable faire face à insécurité k'ap vale terrain depuis quelques temps dans pays a. Ben faut que nous di wa et nous pral faut attendre déclaration nouveau premier ministre pays a Gary Conil qui pral et ben di nous qui type d'engagement qu'il même li prend dans gouvernement ça pour capable mettez un petit calsouri sous lève population haïtienne qui a souffert en bas nèg exam yo depuis plusieurs années, mesdames et messieurs. Gagne tout gros incident ça qui rivé donc sous piste aviation côté nèg exam et ben et pété balle son petit bus nan et chercher ouais comment chauffeur attaquable sauver et donc passager et c'est là ben pral gagne trois monde qui ont même déjà perdu la vie. C'est vraiment triste bagarre là vraiment. Eh bien, mesdames et messieurs, fait un pile moun mal pour façon que les chrétiens vivant dans le pays d'Haïti ou même après perdu la vie en bas de Zamzayo. Depuis les France LB li même te pointe tête pays ça, tête PNH là, mesdames et messieurs, eh bien, gang yo vin pi sou moun, gang yo vin pi à l'aise, yo vin pi et donc criminel parce que c'est France LB qui déjà nan kokoday avec eux qui li même t'a dirigé PNH là. Nous allons inviter gen tout détail dans vidéo ça. Je n'ai parlé de incident qui arrivait matin et sous piste là, mais il faut te confirmer avant. Mais dans le moment où tu as parlé avant la lague, trois monde qui sautent dans sa yon avec balle, avec exam sous piste là et plusieurs autres blessés. La police était obligée sous place pour capable évacuer cadavre sa yon. Mon sa yon, c'est bus qui tape sur cyclassine, nous bien direction quoi des bouquets. Donc, qui t'a bralé en bas la ville avec plusieurs petits machins qui t'a bralé chercher la rue. Donc, bus ça qui est viré. Donc, au lieu pour le virer pour aller droite et bon côté appartement, ancien président, je mettrai la récite de faire, il contourne pour le passer bon petit poste. Eh bien, c'est là même, les gars, qui t'a bralé pointé. Donc, plusieurs gros âmes soumis ça. Donc, avec un peu d'émotion, chauffé à lui-même, lui est arrivé, ça viré bus là. Et côté trois mouns et en attendant, mourir. Et puis, il y a gagné plusieurs autres qui blessés. Nous avons retourné en fin et intervention avec quelques chauffeurs et qui ont fait ça et sous information. Ça. Puis, c'est notre cas ça, matin. Donc, il y a un chauffeur qui a perdu la ville sous piste là. Et il y a gagné trois personnes qui mourent sur le champ. Information Mackinson Remy déjà confirmée, auditeur et auditrice Radio Caraïbe FMIO. Donc, activité de transportation commune réduite. C'est dans le contexte ça, nous allons parler avec une chauffeur. Qui a fait piste là, n'a dit l'heure de nouvelles, ça, comment sont-ils? Bonjour mon frère, c'est moi-même, Mackinson Remy. Donc, vous apprenez, vous accident fait tout piste là. Donc, comment on s'en souvient, vous avez fait? Bon, comme je fais qu'abonner là, je ne sais pas si moi-même, je ne sais pas vraiment. Comme moi, je dis que je ne sais pas si ça, mais. Bon. On va descendre là quand même, on va descendre. Bah aucune question, on va descendre, va me connaître quoi ça chaque matin bah. Il y a et bien au niveau de pays d'Haïti, et bien nous pour aller au niveau de la police nationale d'Haïti. Et bien au niveau de la police nationale et bien pays d'Haïti, et bien Abdouke Gagné et entraînement et bien il y a 455 nouveaux policiers qui ont même retourné au niveau de unité spécialisée au police nationale là. Et bien cérémonie graduation agence a été faite journée mardi 18 juin 2024 là dans l'école nationale police là au niveau de Pétionville dans route des Frères en présence notamment directeur général incision policière la France LB premier ministre docteur Gary Conil président conseil présidentiel transition ingénieur Edgar Leblanc-Fils et puis conseiller présidentiel la Smith Augustin et bien présence témoigner une autre fois encore et bien et engagement que même yo gagné et bien au niveau de développement et bien institution républicaine ça stratégique et bien pierre angulaire et bien au niveau de système sécurité publique et bien national c'est déclaration ça directeur général police là à l'attention et bien gros gradué et bien illégalement
eh bien, il a été salué courage des policiers qui ont même quitté sacrifié depuis le 29 février dernier pour capable défendre jour comme deux nuits citoyens avec bien contre assaut maître gang armé. Ah ben, on a regardé pour nous, eh bien, comment que les policiers eux-mêmes qui et t'a montré que même yo bon engouement yo envie bataille et bien c'est 455 et bien policiers c'est plusieurs unités dans la police qui gradué jodi a qui c'est 18 juin 2024 on a regardé pour nous Jacques qui a une belle motivation pour côté nouveau gradué ça yo voilà mais c'est image ça qui n'a regardé là mesdames messieurs c'est plusieurs et policiers j'en ai dit. Et quand même, Salomon nous t'a parlé de ça, mesdames, messieurs. Et la police là, gain moyen. La police est capable de combattre l'insécurité que nous vivons là, aujourd'hui là. Faut nous bonjour, mesdames, messieurs. Faut qu'on accepte pour dire que aujourd'hui là, même les gens pile mauvais grenade dans la police là, mais on pas qu'à généraliser. OK? Puisque nous faisons un pays, eh bien, évidemment, nous disons la grande équipe jeune garçon qui a peine gradué là, eh bien, jeune garçon ça, nous assurons que eux-mêmes, ils n'ont pas de mauvaises intentions, ils n'ont pas compris même gens accéder des vieux grands policiers. Donc, jeunesse nous, jeune garçon nous, bah, au travail. Inscrivez-vous dans la police là, mesdames, messieurs. Inscrivez-vous dans l'armée. Hein? Nous besoin ça. Parce que, de bon, on va critiquer la police, on critiquer l'armée. Beaucoup n'y a la paye pour l'armée même. Qui est-ce qui prend la responsabilité hein, pour vous? Ou pral tente comme si c'est force étranger qui pral vin fon bagay pour ou? Ou pral tente que c'est étranger qui pral vin fè l'autre bagay? Non! Jean nous dit, jeune garçon, ça, mesdames, messieurs, c'est pour nous bailler au travail, c'est parce que gen pile là-dedans. Notre nation. Votre engagement est d'autant plus noble que vous n'avez pas cédé à toutes sortes de sirènes venant d'ici et d'ailleurs. Mais vous avez choisi la conviction. Cette conviction qui vous habite et qui entretient cette flamme patriotique qui ne s'éteindra jamais. Les graves problèmes de sécurité auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui soulignent l'importance cruciale de votre rôle. L'augmentation de l'activité criminelle et la menace omniprésente de la violence des gangs ont souligné la nécessité de disposer d'une force de police solide et efficace. Votre formation et votre préparation sont essentielles pour établir la paix et la stabilité dans nos communautés. Chers invités, au cours des dernières années, notre peuple a beaucoup souffert de l'insécurité. Plusieurs centaines de milliers de familles, de femmes, d'hommes, d'enfants ont quitté leur maison. Plus de deux tiers des infrastructures sanitaires sont fermées. Le petit commerce est bouleversé. Et la nation se meurt à petit feu. Le moment est venu pour nous de revoir notre approche à la sécurité. De reconsidérer notre stratégie pour qu'elle soit globale et immédiate. Elle doit impliquer l'intégration de toutes les forces de sécurité, la mise en place de centres de coordination opérationnelle et le déploiement de technologies de pointe pour la surveillance et la collecte des renseignements. Nous nous engageons à faire en sorte que vous disposez des outils, de la formation et du soutien nécessaires pour l'accomplissement de votre tâche. Nous établissons également des partenariats solides avec des alliés internationaux afin de renforcer nos capacités et nos ressources. La formation continue et la spécialisation seront toujours, toujours d'actualité. La relation entre la police et la communauté doit être fondée sur le respect et la confiance mutuelle. Le soutien de la communauté est indispensable. Nous devons tous condamner tout acte de violence à l'encontre de nos policiers. Le meurtre d'un policier est une attaque contre chacun d'entre nous et doit susciter notre indignation collective. Les criminels doivent être isolés et traités comme des parias de la société. Par ma présence ici, j'appelle chaque citoyen haïtien à s'unir derrière nos forces de police. Nous reconnaissons les défis et les lacunes, mais nous sommes déterminés à y remédier. L'heure n'est pas aux reproches, mais à l'action. À la reconstruction et au renforcement de nos institutions policières pour qu'elles puissent remplir effectivement sa mission. La remise des diplômes à ces 455 agents représente une étape cruciale dans notre renforcement institutionnel. Mon gouvernement est résolu dans sa mission à rétablir la sécurité et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour y parvenir. Je comprends parfaitement l'ampleur de la tâche. Je comprends aussi l'urgence.
Et je peux déjà vous dire qu'on s'y est déjà mis. Officiers et agents de tout grade, malgré l'adversité à laquelle nous sommes confrontés, l'État est très fier de vos efforts, en première ligne pour défendre la liberté du peuple haïtien. La nation vous regarde avec espoir et expectative. Ensemble, ensemble, nous allons reconquérir nos espaces publics et assurer la libre circulation des personnes et des biens. Aux 455 diplômés, j'adresse mes plus sincères félicitations et la gratitude de la République. Vous faites désormais partie d'un héritage de service et de sacrifice. Le pays compte sur vos capacités, sur votre bravoure et votre détermination pour améliorer notre sécurité nationale. Votre professionnalisme et votre adhésion aux principes, à l'éthique des forces de police feront la différence. Faites en sorte que la loi soit votre étoile directrice, éclairant tout ce que vous faites. Respectez votre engagement et votre serment. Restez disciplinés et restez concentrés. Nous ne capitulerons pas. Ensemble, nous allons reconquérir nos villes, rétablir la sécurité, marginaliser la criminalité. Haïti doit revivre. Et l'honneur de tous ceux qui sont tombés pour défendre la République. C'est ça que j'attends de vous. Le gouvernement et le peuple haïtien placent leur confiance et leur espoir en vous. Que vive la police nationale, que vive la République et que vive Haïti. Merci beaucoup. Nous gagnons une grosse responsabilité. Responsabilité pour marcher dans la discipline. Responsabilité pour marcher dans le respect de la loi à droit moun. Responsabilité pour marcher dans l'honneur, intégrité et loyauté envers l'institution nous, PNH, envers le pays nous, Haïti. Responsabilité pour nous porter bon genre résultat pour famille nous, institution la police et PIA qui est fier de nous. J'ai tout le monde dans le pays, pour l'autre bord de l'eau, braqué sous nous. Nous, c'est l'espoir. L'espoir pour la paix tournée, pour la sécurité blaï, pour Haïti revivre. Commandant nous compter sur nous, autorité, conseil présidentiel là, premier ministre, gouvernement compter sur nous, toute population compter sur nous.